Eh bien, c'est tout le monde, c'est Tudonelli, j'espère moi en tout cas, et on se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Nous sommes en ligne d'action confirmée sur la Resistance. Je joue avec la P90 silencieuse, avec comme arme secondaire le 5-7 couteau tactique. Ensuite, je joue avec les killstreaks drone, missile predator et hélico asset, de très petits killstreaks, mais les petits killstreaks qui font des ravages. Ensuite, je compte faire un petit débat durant cette vidéo. Alors le débat là sera: quel serait le Call of Duty parfait, qu'est-ce qu'il faudrait enlever, changer et garder. Vous allez me répondre en commentaire, vous, et moi je vais vous dire un petit peu mes impressions, mon avis personnel. J'ai bien dit mon avis, si vous pouvez être d'accord et n'être pas d'accord avec moi, argumentez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc tout d'abord, moi, ce que je devrais enlever sur les Call of Duty, c'est les séries de morts. Par exemple, mourir 5 fois d'affilée sans faire aucun kill et avoir moins de morts. Où est le but? Où est le sens? À part nous saouler et nous faire mourir dans une grande série, je sais pas, ça sert à quoi de nous mettre des mains de mort, etc. C'est vraiment inutile, ça sert strictement à rien. Ensuite, moi je voudrais garder, je me dis moi, je voudrais garder les killstreaks fixes. Garder comme sur code 4 et code 5, les mêmes killstreaks pour tout le monde, mais rajouter la NUC ou la MOAB ou la MOB pour nous donner un challenge. C'est toujours sympa de se dire, allez, on va tenter la NUC, on va tenter la MOB. Perso, je n'ai jamais réussi encore. Si j'en réussis une, je vous le poserai direct sans hésiter, si je filme bien sûr. Voilà, je n'ai toujours pas réussi. Bref, passons. Je voudrais garder ça, par exemple mettre le drone, le predator, l'hélico asset, le mitraire d'hélico et par exemple la NUC, pourquoi pas. C'est toujours sympa à faire. Donc voilà les petits challenges à se donner. Le début de partie est vraiment intense, on va dire. Genre, j'ai vraiment pas mal d'équipes. Déjà mon deuxième hélico, ça va vraiment vite. Donc voilà, j'ai bien géré, je trouve, durant cette partie. Je suis bien content de moi. Je vais faire pas mal de petites doubles et de triples éliminations au missile prédateur. Ensuite, je voudrais garder les niveaux d'armes. Par exemple, commencer avec ma P90 niveau 1 et la monter jusqu'au niveau 31 pour avoir tous les accessoires à mettre ce que j'aimerais. Pas faire des défis assez bidons pour avoir mon camouflage en or. Juste faire pas mal de kills et la monter en or toute seule. Ensuite, le camouflage or qui est toujours assez sympa à mettre sur une arme pour prouver qu'on a réussi à faire vraiment pas mal de frags pour la monter jusqu'en or, ce qui est vraiment pas mal. Aussi, moi je voudrais garder les serveurs dédiés sur quelques Call of, nous sur PC, parce que je suis un gamer PC. Sur PC, nous avons la chance d'avoir des serveurs dédiés sur Code 4 et Code 5, d'avoir des serveurs Only Sniper et des serveurs Only Shotgun. En français, c'est Only Fusil à pompe. Voilà, nous on a la chance, les gamers PC, d'en avoir. J'aimerais bien aussi en avoir sur des joueurs console, parce que on est tous égaux, il faudrait en avoir pour tout le monde, pas que pour nous. Je trouve c'est vraiment dommage. Donc si ils pourraient vous faire ça pour vous, les gamers sur Xbox et PS, ce serait vraiment sympa de leur part. Donc désolé des certains bugs, c'est vraiment le mode studio qui bug là, c'est vraiment les aléas du PC, on va dire, hein. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam, je vous accepterai avec plaisir. Je pourrais jouer à Code 4 avec vous, à MW2, etc. Vu que là je vais bientôt atteindre les 100 abonnés, donc j'ai encore beaucoup de temps pour jouer avec vous, ne vous inquiétez pas. Ensuite, c'est vraiment sympa les serveurs Only Sniper, etc. Alors je compte envoyer cette vidéo à la Code CFS, à Code CF, à Code QG et à bien d'autres chaînes communautaires en espérant être pris. Ça pourrait me faire que gagner quelques abonnés. Bientôt 100 abonnés, je trouve on avance assez vite quand même. On est bientôt aux 100 abonnés, ça avance pas mal vite. Donc moi je vous invite à réagir dans les commentaires de cette vidéo, me dire ce que vous aimeriez, ce que vous voudriez enlever et ce que vous voudriez garder dans les prochains Call of Duty. Donc moi j'aimerais les nouveaux modes de jeu, comme essentiel, avoir aucun killstreak pour pas nous saouler. Aussi l'élimination confirmée, un mode assez sympa qui nous incite à ne pas camper, même si là vous voyez un campeur, mais c'est pas grave, qui nous incite à chaque fois qu'on va faire un frag, aller obligatoirement chercher sa médaille pour valider son kill, pour confirmer son élimination.
comme l'indique le nom, bien sûr. Ça sera une assez bonne partie, je trouve, quand même. Pour ma part, je vais faire plus de la moitié des frags de ma team. On va perdre la partie, je vous fais gâcher le suspense. Mais ma team, c'était vraiment une team de débutants, faut le dire. J'ai fait plus de la moitié des frags de la team, mais on a quand même réussi à perdre. J'ai vraiment été dégoûté quand même de perdre. Mais bon, pourquoi pas me faire une petite team sur PC, qui sait, ça pourrait être sympa. Bref, je vous invite à m'ajouter sur Steam. J'ai aussi un Skype et un Twitter pour mes abonnés. Je vous invite à me follower là-bas, à me suivre dessus, quoi, pour savoir toutes les actualités, mes prochaines vidéos qui vont sortir en avance, etc. Donc voilà pour les 100 abonnés. Pas un concours, mais un live avec les abonnés sur MW2PC. Je le précise toujours. Et sur Code 4, pourquoi pas. Tout ça qui vont arriver. Donc moi, ma chaîne, c'est une chaîne multigaming. Ça, c'est juste au passage un petit sniper qui me saoulait. Qu'enchaîner vraiment les quickscopes d'une telle vitesse que ça me saoulait. Bref, je disais que j'allais faire des petits lives avec vous et tout. Donc voilà, pourquoi pas faire ça avec vous pour les 100 abonnés. Moi, c'est une chaîne multigaming, comme je le disais. C'est pas que du Call of Duty et du Minecraft. Bientôt des découvertes de jeux et un washu sur un jeu. Je vous proposerai plusieurs choix de jeux et je vous ferai faire un vote et vous dire entre si et ça, qu'est-ce que vous voudriez. Donc voilà. Je vous invite vraiment à réagir dans les commentaires, à argumenter pourquoi vous voudriez garder si, etc. Pour vraiment faire réagir les abonnés dans la vidéo, ce qui vraiment serait assez sympa. AP90, une arme assez sympathique. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à y jouer avec. C'est vraiment une arme assez bien équipée d'un silencieux. Une assez bonne cadence de tir, je trouve. Un recul assez gros, on va dire, mais assez facile à gérer, je trouve quand même. Donc voilà, la vidéo arrive bientôt à son terme. Hein. Moi, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que mon commentaire vous aura plu, de me dire ce que je devrais améliorer dans mes futurs commentaires, si ma nouvelle série, les clips, en fait, quand par exemple 4v1 au sniper et que je les gère tous en R&D, bah, si ça vous plaît, les clips comme ça pour faire patienter entre deux vidéos, mon guide de survie à Minecraft, si ça aussi ça pourrait vous plaire, et un petit let's play qui pourrait vous plaire. Donc voilà, dites moi tout ça dans les commentaires de la vidéo, je ferai une joie de tous les rire. Et que bientôt mes 100 abonnés, donc pas mal de projets pour ça. Moi, je vous dis bonne fin de gameplay. Je vais vous laisser pour la fin de ce gameplay, un gameplay assez bon, je trouve. Dites moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis déjà, je suis pas un gamer de ouf. Je vous dis juste que moi, je vous propose même des vieilles parties s'il faut, pour vous montrer vraiment comment je joue et pas que mes bonnes parties. Donc moi, je vous dis à plus tout le monde, c'était Tutodani pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 plutôt. Donc voilà, moi je vous dis bonne fin de gameplay, c'était Tutodani pour une toute nouvelle vidéo.